Bienvenue au tissage de Charlie. On est ici dans une usine de tissage jacquard implantée depuis 1902. C'est l'une des dernières résistantes de notre région qui était autrefois un berceau très important du secteur textile. Vous le savez peut-être, mais dans les années 70, l'industrie textile a été très fortement délocalisée en Asie. Beaucoup d'usines ont fermé, ainsi que des métiers et des savoirs textiles uniques. Mais depuis quelques années, les choses changent. L'industrie textile attire des marques éco-responsables et soucieuses de leur impact. Et le secteur recrute dans tous les corps de métier. Viens découvrir ce qui se trame au tissage de Charlieu. C'est ici, au bureau de création, que les stylistes et les croiseuses de fil développent les tissus. La technique jacquard nous permet de réaliser des dessins tissés, des motifs pour l'habillement, l'ameublement, mais aussi réaliser des produits finis tels que les tote bags, les étoles ou des ceintures. Lorsque mon tissu est finalisé, j'envoie mon dessin technique à l'atelier qui réalise le prototypage et la production. Alors c'est dans l'atelier qu'on va retrouver le plus grand nombre de métiers différents, notamment le nouage, qui consiste à passer de l'ancienne matière à la nouvelle matière à l'aide d'une machine à nouer. On peut aller jusqu'à 600 nœuds par minute sur des chaînes qui peuvent aller jusqu'à 14 000 fils. Ensuite intervient le tisseur ou la tisseuse qui va s'occuper de sa batterie de métier. Il va s'occuper notamment de tout ce qui est les problèmes de chaîne, casson trame, ainsi que d'approvisionner la matière. Et en cas de problème non résolu, il va directement demander au gareur. Au tissage de Charlieu, j'effectue le métier de gareur. Ce métier donc consiste à l'optimisation de la production en qualité et en quantité. Donc que ce soit par le réglage des machines, leur entretien et aussi la formation des tisseurs. Alors moi, à la visite, je fais du contrôle qualité sur les pièces de tissu qui viennent tomber de métier juste avant pour contrôler les défauts, juste avant qu'ils puissent partir chez le client. Au tissage de Charlieu, nous prévoyons le recrutement de 80 personnes pour continuer à développer le secteur textile français. Alors, prêt à rejoindre le mouvement avec nous ?